C'est, à la base, c'est un collectif citoyen qui réunit compagnies, donc du monde de la culture, compagnies structures, mais également beaucoup plus large, et qui s'inscrit sur le mouvement d'occupation initié par l'Odéon à Paris, et qui a été suivi dans une centaine de lieux jusqu'à aujourd'hui, nous étant le 106e. Un petit rappel aussi, occupation avec discussion, négociation avec le Bourneau, donc c'est une occupation douce et gentille, avec mise à disposition d'un espace qu'on peut occuper 24 heures sur 24, qu'on va exploiter, qui va devenir à terme un lieu de rencontre, de passage, quand il fera beau, parce qu'en intérieur on ne peut pas se venir trop nombreux. Il y a un petit espace extérieur qui sera sympa, où il y aura régulièrement des affichages sur l'état des discussions, des tables de presse, et c'est un lieu qui se voudra véritablement ouvert et avec un appel à participation et aussi un appel à participation au quotidien pour venir passer une journée, faire une permanence, une nuit. Ça va se construire dans les prochains jours. Et le rappel, au tout départ, dans les revendications de l'appel de l'Odéon, il y avait dans les premiers points la réouverture des lieux culturels, mais également et surtout, et qui a pris dessus ensuite, la question de la précarité, avec en point principal la suppression de la réforme de l'assurance chômage. Voilà. Vous surprenez vraiment l'occupation, ce qui a été négocié hier du coup avec les salariés de Le Fourneau et la mairie sur une autre occupation. Donc c'est quelque chose qui se fait, une occupation qui se fait en accord. On s'est entendu sur plusieurs points. C'est que en fait le Bourneau soit utilisé et disponible 24 heures sur 24, mais en tant qu'espace de travail, de rencontre, de réflexion, de construction, mais c'est pas un lieu d'action. Enfin, on n'est pas au Bourneau pour gêner les activités qui s'y déroulent. Ils continuent de l'accueil de résidence, de l'accueil social. Ils prennent le relais d'autres structures qui sont fermées. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de travailler, de se mettre en trois groupes. Donc commission, action, organisation et communication, et puis de recenser des idées, ensuite de se retrouver en plénière et de dire les idées de chaque groupe, de rebondir un petit peu si on a envie. Ce qu'on vous propose, c'est quand même de le timer et de le rythmer un peu parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et que voilà, on vous propose ça, 10 minutes de travail en groupe. Ensuite, restitution avec des petits rebonds si on a envie. Et puis ça sera ensuite retravaillé. C'est une matière, c'est une récolte en fait, et une matière dont on servira dans ce processus en fait, collectif. À partir de demain, pourront être mis en place des commissions et donc vraiment de réfléchir un peu plus dans le fond que ce qu'on a pu faire là maintenant, où c'est un peu lancé comme ça, et puis dans l'idée de lancer une dynamique et des discussions et des choses à imaginer tous ensemble. Commission organisation. Donc on fait vraiment les grandes lignes de ce qui a été dit. Sur la commission organisation, il y a quand même deux questions. Il y a des questions d'organisation pratico-pratique, de l'organisation interne au lieu et de l'organisation des journées, des actions, etc. Et il y a aussi la question de l'organisation du mouvement. Donc par rapport à ça, c'est les questions là qui sont posées, on ne va pas en débattre aujourd'hui. Mais en gros, c'est question de l'identité de ce groupe. Est-ce qu'on s'affiche comme un collectif? Quand des actions sont menées, sont-elles au nom du collectif? Est-ce que pour qu'elles soient menées au nom du collectif, si c'est ce qui est décidé, on se rapporte à une espèce de cadre commun auquel on adhère tous? Rappelons quand même que le mouvement est issu d'un mouvement national, donc ça a priori c'est défini, mais c'est en tout cas une question qui revient perpétuellement, donc il va falloir en discuter et se mettre d'accord ou pas. Il y a la question de la transmission de l'information dans un sens comme dans l'autre, ce qui se passe quand il y a des choses à l'intérieur du lieu, comment ça peut être transmis à ceux qui ne sont pas présents, parce que tout le monde ne sera pas présent tout le temps. Et de la même façon, quand les gens ne sont pas présents, comment eux, ils peuvent soumettre des informations, des idées, des propositions? Est-ce qu'il y a une histoire de blog? Est-ce qu'on utilise des médias? Quel type de médias? Réseaux sociaux ou pas? Etc, etc. Question à débattre aussi. Il y a la question de la validation des actions qui est relativement complexe. Et comment on valide des actions
au-delà du fait qu'elles vont respecter un cadre commun ou pas, comment on va valider en Assemblée Générale, est-ce qu'il y a des votes, comment on valide quoi, comment on se met d'accord sur un mode de vote pour des actions. Voilà Juliette, est-ce que j'ai oublié des grandes choses? Je synthétise beaucoup. La question de la médiation des AG. La question de la médiation des AG. Est-ce que pour animer une AG, on identifie des médiateurs, des facilitateurs pour la prise de parole, etc. Et comment on explique à ceux qui n'y connaissent rien comment ça se passe? Voilà. Excellent. Communication Je vais faire la liste, hein, on va pas s'étendre, mais la question de Facebook, est-ce qu'on utilise Facebook individuellement, collectivement, voilà, c'est une question qu'il faudra régler. Ou utiliser les pages qui existent déjà, voilà, il y a des pages qui existent par des personnes de la culture, etc. C'est une question qui a été soulevée. Le relais avec la fabrique, voilà, qui est une salle de spectacle à Valence. Quels outils et quels liens on met en place voilà, avec les autres structures qui sont occupées. Il y a une proposition de chronique d'occupation sonore, de faire des chroniques sonores en fait sur l'occupation. Voilà, c'est une proposition qui est faite, avoir la forme que ça prend. Temps à prévoir pour décider comment et sous quelle forme. Question de la communication interne, comment on communique. Tu disais, voilà, pour que les infos elles soient rapides, claires et efficaces. Il y a une proposition faite par un élu de est-ce qu'on fait des liens avec les élus parce qu'on est en période électorale. Et de faire une lettre, est-ce qu'on fait une lettre ouverte aux élus? Enfin, du coup, il y aura une question sur le lien avec des élus ou pas. Voilà, ça c'est le jeu, le pavé jeté. Afficher l'affichage bien sûr au Bourneau et dans les cours, etc. Il y a une proposition d'afficher le communiqué de presse pour avoir accès aux revendications facilement, parce qu'il y a plein de personnes qui ne savaient pas où les trouver ces revendications. Donc, une proposition d'afficher ce communiqué de presse carrément qui soit accessible rapidement. La diffusion des plannings des activités en fait. Proposition de faire une table de presse qui sera alimentée en permanence pour avoir un point info au Bourneau. Question de la propagande aussi, du coup, comment on fait cette propagande. Affichage, une proposition d'afficher sur les voitures perso, voilà, des informations. Question d'un logo, d'un visuel. Question de création d'un fascicule sur les lois, et sur les, du coup, il faudra expliquer les lois contre lesquelles on. Un point proposition aussi de faire des points presse et de caisses de soutien dans d'autres lieux, préfets français, musées, tous les lieux qui seraient susceptibles de soutenir ce mouvement pour être visible dans plein d'endroits et avoir aussi de l'accès à l'information ailleurs qu'au Bourneau. Proposition de faire des conférences de presse hebdomadaires, sous quelle forme, à voir quel format ça peut prendre. Afficher ou montrer des exemples de ce qui se fait ailleurs. Pour avoir accès aussi à plein d'exemples qui existent. Proposition aussi de créer une équipe de tournage pour faire des mini-clips, voilà, sur des revendications, des actions, etc. La question des photos, bien sûr, la vigilance aussi sur consentement à l'image, tous ces trucs-là. Un lien à faire et peut-être aussi avec l'USAS pour les films, pour avoir un documentaire avec les étudiants des films documentaires, ça peut être un lien intéressant à faire. Et la question des signes distinctifs aussi, badge, masque, commun, ça revient sur la question du logo. Proposition éventuellement de vendre aussi des badges et des habits floqués pour récupérer de la thune. Action de communication au marché à prévoir, tract, table de presse, etc. Il y a une proposition d'appeler le truc les préoccupés du Bourneau. Proposition de faire un théâtre forum. Et aussi question du matos et de la récup de matos. Draps, panneaux, faire de l'affichage, etc. Aller voir les recycleries, les magasins, le ganache, etc. Bravo.
Alors pour les actions, il y a ce qui est pas mal ressorti, c'est l'envie de faire des actions auprès de publics, donc de sortir de l'entre-nous, donc d'aller faire des actions dans les supermarchés, dans la zone industrielle, d'aller dans des lieux genre Pôle emploi, faire des actions là-bas, donc vraiment de sortir, de mélanger le ludique ou le visuel, théâtral, marionnettes, flash mob, toutes ces folies qu'on peut faire, et qu'en fait ces actions qui sont donc plutôt ludiques et culturelles, elles soient accompagnées derrière par une information, par exemple auprès des précaires qui ne savent pas forcément ce qui va leur tomber dessus, comme nous d'ailleurs. Voilà, donc je rebondis sur l'USAS parce qu'il y a eu l'idée de projection. Pourquoi pas utiliser, en fait c'est investir l'espace public. Alors autant l'espace public ici, marché et tout ça, que des espaces publics où on va toucher des publics qui ne sont pas, voilà. Donc je disais flash mob, il y a des propositions de marionnettes, de théâtre forum, de faire des messages sur des papiers dont la colle c'est de la farine. Et du coup on peut l'enlever, mais on peut le laisser aussi, ça ne détruit pas l'espace commun. Il y a une proposition de fête foraine avec un chamboule-tout, par exemple, où on peut chambouler qui qu'on veut, par exemple. Une roue de l'infortune, voilà, où on tombe. Voilà, pourquoi pas créer aussi des espaces. Essayer de chercher un peu quelque chose de drôle et de décalé et en portant les messages qu'on a envie de porter. Il y a aussi l'idée des déambulations sans mots, mais visuelles, fortes, des images et qui peuvent être accompagnées évidemment derrière de tracts et de messages. Bon, voilà. En fait, il y en a eu plein d'autres d'autres propositions, mais qui pourront être discutées plus précisément par la suite. Voilà. L'idée, du coup, c'est demain de proposer un petit déjeuner. Alors, c'est vraiment s'il ne pleut pas. Parce qu'à l'intérieur, on peut être que 6, mais du coup, s'il ne pleut pas, on peut être dehors. De 9h30 à 10h30. Donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de petits déjeuners. Donc si vous venez, vous faites votre petit déjeuner. Enfin, vous avez des trucs pour tout le monde. Et après, à 10h30, d'essayer de partir, dans les commissions précédemment citées et de commencer à travailler dès demain. Ici ? Pardon ? Ici, devant le Bourdon. Non, ça serait du coup, s'il fait beau, dans la cour du Bourdon. Alors attendez, c'est pas la cour du Bourdon. La cour du local, ouais. La petite cour de la petite cour, rue Espic. C'est entrée des artistes, quoi.